Allez, c'est parti, je fa mou mouja, yop la boum. Bonjour à toutes et toutes, ou re, pour ceux qui étaient pas là ce matin avec Lara Croft en Égypte. Là, on va faire Pampanfir. On va faire Pampan comme un foufou. Papali-pipi-dipou. Ouais, rebonjour Nayonet. Ah, la récréation continue. Et puis là, j'ai envie de dire, c'est presque le gros du week-end, puisque j'ai enchaîné plein de jeux jusqu'à 20h, je crois. Il prend son antenne ce soir, FunFan. Donc là, on est ensemble quasiment 6 heures. Dans le lot, on fera ce que je vous ai mis en titre. C'est-à-dire, là, on commence par du Fear. Ensuite, j'enchaînerai sûrement sur du Sonic 2. Pour ensuite faire du golf, mini-golf, golf around avec Edge, qui a des parcours à présenter. Et on finira sur les bibis. Par contre, les bibis, ce sera peut-être un peu écourté ce samedi. On fera peut-être pas un grand prix de 16 courses, mais peut-être 10 petites courses. Tasser tout ça en 6 heures, on va voir. On verra. Ah, j'ai cru un bug. Je sais même plus c'est quoi mes ordres de mission, j'ai rien lu. Je sais plus du tout où j'en étais. Moi j'avais regretté de pas avoir pu mettre le grappin sur l'ingénieur là, le gros qui se payait de notre tête. Ça commence fort. Ça reprend très fort. Ah oui, l'escalier de service. Et moi je venais de là, je crois. Ouais, du 7e étage. J'avais rien oublié, je pense pas. Je pense pas. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Attends, d'où il est venu? Ah, il a monté complètement l'escalier pendant que je m'étais rebarré dans la salle. Et il a entendu la détonation, il a monté tous les étages en fait. C'est pas vraiment ce que je voulais faire. Je voulais regarder, pas me jeter dans la cage d'escalier. Ah bah merde alors. Donc on doit voir un mec qui doit monter là, non? Ah oui, il est là. Ah merde, je l'avais pas vu lui. Ah bah j'ai pas l'air idiot. Ouh, choix. Il faut que je sois plus alerte que ça. Ça marche pas comme ça. Mon Dieu. Je suis nul. Ah, il y a un message répondeur. Oh la vache. Le carnage. Ah, ça c'est cadeau. Ça c'est cadeau. Ouais. Pourquoi la cage d'escalier là va jusqu'au quatrième et il n'y a pas les autres étages? C'est vicieux dans la conception d'un immeuble quand même. C'est vicieux. Vous avez
message de... Alan Wade. Geneviève, ici Alan Wade. J'ai bien eu ton message. Premièrement, ne fais pas comme si tu savais ce que je ressens. C'est insultant. Et ne me dis pas comment enterrer ces vieux démons comme une psy à deux balles. En fin de compte, on n'en serait pas là si tu n'avais pas ignoré mes avertissements. Et là, tu veux t'enfoncer encore et encore. À force de t'enfoncer, tu vas te retrouver direct en enfer. Message suivant de... Phil Vecchio, j'ai eu ton message, Geneviève. Je pense que ce que Harlan essayait de te dire, c'est de ne pas tirer de conclusions hâtives. Je comprends qu'on ait des délais à... Ok. J'ai eu une coupure de l'internet. Ça fait plaisir. Ouais, j'espère que ça va revenir. Ah bon, reconnexion réussie, ok. Alors, est-ce que vous me recevez? J'ai ma box qui s'est réinitialisée. Enfin, c'est pas le bon terme, elle s'est resynchronisée. Mais, désolé, hein, ça arrive par moment. La pas de bol, ça l'a fait à ma reprise d'antenne, c'est un peu débile. Donc du coup, c'est bien. Même moi, j'ai pas entendu les messages, puisque ça m'a... L'alerte m'a foutu directement dans Windows. J'ai pas entendu le deuxième message, donc je vais recharger. Ah ! Quelle est votre situation ? Il me faut des renforts. Attends, on est d'accord, vous me recevez bien. C'est toujours stressant quand on est diffuseur et qu'on est à l'aveugle. Il me dit quoi, OBS? Il me dit qu'il diffuse, il me dit qu'il enregistre. Donc ça devrait être bon. Est-ce que je me vois dans mon propre tour? Oui, non. Alors. Excusez-moi du moment de flottement, mais... Oui, il m'a réinitialisé le schmilblick. Oh, il est chiant avec le nouveau mode bouclier. Oui, re. Ouais, merci. Ok, j'aimais à nouveau. Bon, bah, ça me rassure. Oh, c'est chiant quand ça arrive, ça. Allez, on y retourne. Ok, en revenant, j'ai lancé une grenade. Il a pas l'air idiot à regarder le mur. Là, le gars, il est un peu con. Journée porte ouverte. Vous avez deux nouveaux messages. Premier message de... Alan Wade. Geneviève, ici Alan Wade. J'ai bien eu ton message. Premièrement, ne fais pas comme si tu savais ce que je ressens. C'est insultant. Et ne me dis pas comment enterrer ces vieux démons comme une psy à deux balles. En fin de compte, on n'en serait pas là si tu n'avais pas ignoré mes avertissements. Et là, tu veux t'enfoncer encore et encore. À force de t'enfoncer, tu vas te retrouver direct en enfer. Message suivant de... Il est un peu vénère. J'ai eu ton message, Geneviève. Je pense que ce que Harlan essayait de te dire, c'est de ne pas tirer de conclusions hâtives. Je comprends qu'on ait des délais à tenir, mais il faut penser de façon stratégique. Rouvrir la chambre maintenant me semble être une mauvaise idée, après tout ce qui s'est passé. Ça ne ferait probablement que rajouter de l'huile sur le feu. Fin des messages. Recoucoute une scène.
Oui, que j'ai le réflexe de sauvegarder, au moins ce sera pas à refaire. Pas mal! Sympa la surprise! Ah oui, il m'en reste des grenades. Je sais même plus comment je les balance. Oh non! Merde! Oh le gâchis de grenades! Ah merde, j'avais pas vu qu'il y avait un deuxième derrière! Double kill! Coucou! C'est pas le bon flingue, ils sont trop distants. Ah merde, j'ai pas vu la grenade. Con. Ils ont failli m'avoir. Oh merde, il m'a eu. Oh, c'est terrible. Ah, utilisez touche nous associer, touche nous associer pour vous pencher et regarder dans les coins. Le jeu mal configuré. Oh, c'est moche. C'est muche. Et ça, c'est cadeau. Oh, la poussière. Bien. Comment qu'il m'a cueilli comme une fleur. Waouh. Remarquable. Ouh, j'ai fait un strike avec la grenade. Oh la vache, comment qu'ils ont giclé comme des cacas. La violence. Bien. On veut des munitions. On veut des munitions. Bon, je suis pas en grande forme, mais bon. C'est vrai que j'ai plus beaucoup de trousses de soins, là. Je suis fini par trouver ma limite. Ça marche pas les lumières, ça marche pas. Mensonge. Merde, j'ai plus de munitions. J'ai plus de munitions. Encore? Oui, je sais pas comment ils ont tiré leurs grenades. Merde, oh, il y en a un qui m'a eu dans un angle, je l'ai pas repéré. Parce que je pensais être planqué, mais non. Bizarre. Merde, il m'a bien eu. Oh là là.
Terrible. Terrible. Oh l'autre. Oh la vache, il a réussi. Oh non, le jeu qui recrash. C'est dommage qu'il défasse le crash. Alors que je le relance. Oh. Fin de tâche. On y retourne. Oui, c'est Noël. C'est ça. Vincent. On est déjà dans la magie de Noël. Ah, bref. On y retourne. La 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 la. C'est peut-être pas la bonne sauvegarde. Si, c'est la bonne. Oh, la posture du mec. On dirait un rocker. Il manque plus que la guitare. Ring. Mais qu'est-ce qu'il fout? Là, il y avait un bug, là. Ouais, non, faut que je prenne une trousse de soins parce que j'ai pris cher. C'est ça. Note de musique et micro. Rock and roll. Oh, merde. Ah, j'ai plus de munitions, je suis dans la mouise. Tu vois, je vais revenir en arrière et sans la lumière, va y avoir la petite fille fantomatique qui va me faire suer. Qui va essayer de me faire flipper. Je sais pas s'ils l'ont programmé. Ah, il me faut des munitions. Non. Je suis quasiment à poil là. Oh là là. Non, lui, il avait rien d'autre. Je venais de les étages supérieurs. Il me faut de la mune. Alors le pompe, c'est gentil, mais... Oh, tu parles, 15 balles. Je vais pas aller loin avec 15 balles de pistolet mitrailleur. Ah! Je rage, je peste. C'est assez fort. Je suis condamné à revenir en arrière pour récupérer des munitions, mais... Ah oui, non, ça, le jeu est bien fait. Il a gardé le matos. Ouais, mais c'est du pompe. Merde! C'est pas un pompe qu'il me faut. Je suis pas à courte portée. Écoute, tant pis. Voilà, rien que ça, déjà un 9 mm, c'est mieux. Putain, c'est dingue, le jeu qui t'oblige à revenir en arrière pour récupérer des... C'est fort. Moi, j'ai que c'est une qualité. Ah hein. Oui, j'avais... J'adore massacrer des horloges murales. Attends, ça a bougé là où j'arrivais? Ah, c'est une... D'accord, c'est un truc qui disjoncte. Putain, ça m'a fait flipper. Ouais. Il y avait le coup du toit... Oh, je vais essayer d'avancer avec ces munitions là, mais ça va être dur. Je vais devoir gérer chaque balle tirée, ça va être chaud. Ça va être chaud. Aïe aïe aïe, la nuit est belle, c'est beau, j'aime bien. J'aime bien ces phases contemplation, vous le savez. Allez, une vitre en cadeau. Oui. Mmh.
Il n'y avait pas de munitions dans le local là. Et poubelle, hein, j'entends. Oh, un écran CRT, c'est scandaleux. Ouais, allez, c'était plus bas. N'allez plus bas, n'allez plus bas. Et trouvez le bon étage. On va au cinquième. Oh. Du 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 di du du. Da 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 di da du. Le rocker. Merde. Ah, j'avais oublié qu'il y avait du monde. Je voulais faire l'idiot, puis j'ai eu un rappel. Bon. Ça me fait grâce suer, je vais sauvegarder parce que j'aurais pas à refaire tout ça. Salopard. Je te tiens en joue. Salopard, je t'ai vu. Bien. Il tire avec son arme sans s'exposer. Malin, j'adore. Ça fait tellement réaliste. Dextérité. C'est mon deuxième prénom. Trop bien. Ah oui. Ah. Oh. Ah, le pénétrator. Toi aussi, tu aimes le pénétrator. La 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 la. Oh oui, le pénétrator, j'ai des munitions pour ça. Je veux bien faire l'échange. Putain, tu m'étonnes. Ah, encore un truc encastré. La la li la lu. Une horloge murale. Banging bong. Bon. Ah, des infos secrètes. Eh bien, Fettel ne provient pas de l'ADN de Harlan Wayne. Il y a un email de Wayne qui explique que le sujet se trouve en coma artificiel. Les mecs de la sécurité d'ATC ont tué Bishop parce que quelqu'un ne voulait pas que ça se sache. Ils ne sont pas seulement inquiets à cause d'une expérience de bio-ingénierie douteuse. Je crois qu'ils camouflent quelque chose de bien plus méchant. Mmh. Quel est cet étrange mystère ? Pire qu'un secret d'état. Oh. C'est bien de savoir qu'il y a des réserves de munitions et de flingues par ici. Ça, du coup, ça me rassure. Cœur de rocker. Je ne me lasse pas de la posture de ce mec. Oh la vache, trop stylé. Il n'y a rien au-dessus. Non, je pense pas. Je pense pas. Cœur de rocker. Fun Fun possède Steam en secret. C'est pire qu'un secret d'état, ça, oui. La 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 la. C'est quoi ce? C'est un téléphone qu'ils ont modélisé? Ah oui, je l'ai décroché! Ah, c'est rigolo! Youpi! Bon, faut que j'aille par là. C'est... Oh! Délicate attention. D'une trousse de soins. Bon, j'ai besoin de remettre le jus parce qu'il faut que les sas puissent s'ouvrir. Dont les ascenseurs. Voilà, celui-là, il est à nouveau prêt. Ding dong! Je veux descendre, s'il vous plaît, rez-de-chaussée. Comment ça, j'ai 4? Ah, faut que j'aille au sous-sol numéro 4? Oh. Désolé de vous contrarier. Je viens d'arriver à ma voiture. Miss Wade, si vous pouviez attendre une minute. Je ne peux pas. Je dois y aller. Miss Wade! Eh, hey, merde. Allez sur le toit du parking pour la récupérer. Vous pouvez encore y être avant elle. Non mais, déjà l'ingénieur qui arrive à se barrer là, le gros, j'aurais payé cher pour le trucider de mes mains. Oula, il se passe un truc. Non mais, elle est partie en dérapant au niveau du parking.
On a entendu un dérapage de fou. Mais elle s'est barrée. Alors, ce parking. Il y a un côté un peu Half-Life. Qui est pas pour me déplaire. Moi, j'aime bien ce genre d'ambiance. Ça me rappelle aussi, souvenez-vous, sur mon antenne, j'avais fait en février dernier, j'avais fait Projet Snowblind. Qui aurait dû être un... Dans la saga, qui aurait dû être un opus de Deus Ex. Et Projet Snowblind avait une longue face comme ça dans un parking. Avec des robots et des gars dégommés. Mais j'aime bien ce genre d'atmosphère de parking souterrain. Généralement, le béton m'attire pas plus que ça. Mais les parkings souterrains... Pareil, j'avais une petite face, si vous vous souvenez aussi, de Lazarus. Que je referai je sais pas quand. Mais que je referai en français. Depuis que j'ai découvert que j'avais la version française. Mais que par défaut, j'avais la version anglaise d'activer. Donc, ça reviendra. C'est pas perdu. C'est pas perdu, poilu. Il m'a bien eu. Envoyé une reconnaissance. J'avais sauvegardé où? Ah bah c'est au parking. Merde, je suis en train de me manger le... De me manger le distributeur de boissons. Papa, pipa la peau. Y a rien dans les poubelles. Ah, ah. C'est scandaleux. Oh, il danse, lui. Oh, bah non! Oh, c'est parce que j'ai gardé la même trajectoire, c'est débile. Oui, je sais pas ce que tu fais, tu es une scène. Tu as trouvé une vidéo secrète. Une vidéo secrète d'état. Toi qui aimes les parkings. Ah ouais? Ah! Je regarderai ça en soirée quand j'aurai mon antenne, je survolerai, tu sais, mon chat. Et puis je verrai ton lien. Les parkings, combien de tonnes de béton ont été nécessaires à la réalisation de ce parking? Pa. Ah. On resserre du dessert. Pas mal la musique. Acheter, yaye. Oh. Oh oh oh. Il y a des trucs qu'on gicle. Ah merde, il y en a un autre. Wow! Comment je les encastre avec les pics? C'est violent, hein, le pénétrator. Oh, ce son. Oh, c'est horrible. Oh, les postures. C'est magique avec ce flingue. Oh, les clouer au mur, c'est trop drôle. Galanche. Ah, ça donne envie de faire dans la menuiserie. Galanche. Allez, une petite trousse de soins sur les deux, hein, quand même. C'est la bande-annonce, imagine en multi. Oui, on se le fera un jour en multi, t'inquiète pas, tu une scène. D'ailleurs, Edge, c'est bien, quand j'avais mis le lien dans mon Discord, je crois que j'ai même mis le lien sur... là, sur le chat. Si on fait point d'exclamation jeu gratos. Bref, Edge l'a déjà installé de son côté, donc... Mais il faudra qu'on s'organise ça. Peut-être qu'on va s'en organiser une, tu sais, tu une scène pour Noël. Normalement, je dis bien normalement, je vais pouvoir diffuser tous les jours entre Noël et Nouvel An, la dernière semaine de l'année. Mais il faudra me rappeler qu'on se fasse ça.
Parce que j'ai pas de jeu défini pour cette période-là, on improvisera. Moi, je ferai ce qui me ferait plaisir, et puis si vous êtes là, on fera des trucs comme notaire. Comme un Gartic Show aussi, des trucs comme ça, on fera se faire plaisir pour les fêtes. Ouais! Merde, vous êtes nombreux, bande de salopios! Ah bah oui, mais je peux plus me planquer là, il y a de la triche. Oh la vache, l'évacuation de mort. Ping, pam, pam. Oui, on est en train de remonter là, troisième sous-sol. Oh le bordel. Oh, une bonne grenade, je fais un strike. Excusez-moi du peu, mais... Oh, salopard! Oh la vache, la violence! Là, par contre, des munitions, je peux en récupérer avec un tel carnage. Oh, bah, je l'ai bien géré au niveau de l'assaut. Elle est bizarre, la texture de la bagnole. Ah non, c'est l'ombre. D'accord. Je me disais, je comprenais plus, là. Non, je peux pas me barrer en bagnole. Dommage. C'est tellement dommage. Pipou. Yipou, yipou. Oui. Mais je vais la voir, je crois que... C'est pas le bon flingue. Merde, y'a un Gugus en bleu. Ah, ils sont chiants, eux. Ah, pas mal. Ah, je suis déjà dans le mal au niveau de la santé, c'est dur. Quoi, ils sont deux? Ça va être difficile de passer, hein. Je crois que la section, le secteur, il va être douloureux. Il va être douloureux. Ah, ah, c'est moi qui suis dans le fourgon. J'ai plus qu'une balle, merde. Ouais, je suis dans le fourgon, venez me chercher. C'est pas mal. Ah bah je l'ai eu. Ils sont rigolos leurs fourgons. Ils sont rigolos leurs fourgons. Oh, j'ai un, c'est le rez-de-chaussée là qui me tend les bras. C'est un peu limite pour les bagnoles. La largeur, elle est limite limite. Hein. Ils auraient peut-être pu voir un peu plus large. J'ai des doutes dans les proportions. Excusez-moi du peu. Oh, je suis déçu, il n'y a pas de cadeau sous le Zoles Gallier. Sauvegardons. Par là. C'est plaisir de vous voir vivant. Putain, ça me fait peur. Faites-moi décoller cet appareil. Ils m'ont foutu les jetons. J'aurais pu tuer quelqu'un.
Désolation, déchéance urbaine. Situation. Alice Wade est censée être à la recherche de son père et en route pour le district d'Auburn. L'éclaireur et l'officier technique du FIR, accompagnés par l'agent de l'équipe Alpha, hein, Holiday, sont en route pour Auburn en hélicoptère. Le satellite Hannibal Free indique qu'un contingent de troupes réplica, c'est-à-dire les fameux clones dirigés mentalement, est en faction près de l'usine d'Amakam. Le signal du transmetteur de Paxton Fettel a été détecté dans la zone. Je rappelle que Paxton Fettel est celui qui contrôle mentalement tous les pantins. Mission. L'éclaireur du FIR va essayer, dans un premier temps, de récupérer Alice Wade. Une fois à l'abri, l'équipe entrera dans l'usine condamnée d'Amarkham pour tenter de localiser Arlan Wade. Je regrette de ne pas avoir eu l'occasion, c'est une occasion manquée, de devoir pas trucider l'ingénieur informatique là. Ah, le gros. Je l'aurais tué avec sadisme, le mec. Le jeu semblait dire qu'il y avait possibilité de lui mettre le grappin dessus, mais j'ai merdé. Indique une position en plein milieu du complexe industriel de Rammelmeyer, à Auburn. L'endroit est complètement désaffecté. Pourquoi là-bas? Ma foi, j'ai fouiné un peu. Il s'avère qu'Armacam a acheté le site au gouvernement dans les années 50. Écoutez ça. Il y avait une sorte de complexe militaire souterrain dans la zone. Je ne crois pas qu'Armacam s'intéressait à ce qu'il y avait sur la propriété. Où est-ce qu'il y avait en dessous? Et je pense que ça a un rapport à ce qu'on dit. Nous sommes touchés! Poste de toucher! Je répète, poste de toucher! Accrochez-vous à ce que vous pouvez! Moi, je m'accroche à mon slip! Ma santé va être restaurée. Il a l'air d'aller bien, mais le pilote est mort. Et Jean a pris un mauvais coup. Et vous? Je m'en sortirai. Mais je crois que je ne ferai pas de sport avant longtemps. Ok, dans ce cas, restez avec Jean et attendez les Vassades. Vous voulez vraiment l'envoyer tout seul? Ces types-là ne plaisantent pas. Nous n'avons pas le choix. Fettel peut se trouver n'importe où et Alice est là-bas toute seule. Si vous devez attendre que les renforts arrivent, elle ne s'en sortira pas. Nous sommes encore assez loin du complexe de Rammelmeyer. Il va falloir que vous terminiez à pied. Activité ennemie intense dans la zone. Attendez-vous à ce que ça chauffe. Ils vont tout faire pour qu'il n'y ait pas de survivants. Cool! Il paraît que vous êtes un vrai dur à cuire. J'espère que c'est le cas. Non. Wow. Elle s'en sortira. C'est pour vous que je m'inquiète. Ça va. Je ne bouge pas. Dites-moi si vous voulez un bouche-à-bouche. J'ai mal quand je ris. Vous croyez que je plaisante? Le contraire me désolerait. C'est méchant. Ils vont bien s'entendre, ces deux-là. Je vais faire ce que j'ai à faire. Restez, s'il vous plaît. Vous en faites pas, je plaisantais. Je fricote pas avec votre copine. Allez tuer quelques méchants. Oh, ces dialogues. Ah. Sauvegarde des points de passage. Poubelle suspecte. Wow, elles sont dures comme du béton. Il ne se passe rien. Oh, Christella. Waouh. Ah, toc toc 201, bing dong, c'est les étrennes. Vous êtes coré? Née et élevée aux États-Unis. Mais oui, ma famille est de Séoul. Ah. Vous y êtes déjà allé? Tous les ans, jusqu'à mes 18 ans. Je n'ai plus tellement de vacances maintenant. Ah là là. Attends, c'est la même porte? Ah non, ça va, 201, 202. Ding dong! You, c'est le facteur, ouvrez. C'est triste, un immeuble abandonné. Oh ouais, le immeuble abandonné. Je parie tout ce que vous voulez que la contamination de la nappe phréatique à Auburn est due au complexe d'Armacam. C'est sûrement pour ça qu'ils ont envoyé quelqu'un à cette usine de traitement des eaux. Ils ont peur que je remonte la piste. Ils ont osé. Ah, je me disais, oui, et je confirme, la physique est bizarre.
Bon, allez. C'est bien parce que j'ai beaucoup de balles de pompe. J'aime bien l'atmosphère. Alors là, l'atmosphère, elle est un peu... Fallout, mais 3.5, ou le New Vegas. Il y aura des passages comme ça quand j'y jouerai, les couloirs sont un peu plus similaires. J'aime bien l'ambiance. Ça me plaît bien. Oh, oh, c'est chou. C'est très très chou. La 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 li la lou. Encore ? Ah bah décidément, ça fait beaucoup de points de sauvegarde en peu de temps. Quoi ? La chambre. Je suis dans l'obscurité. Si je leur balance une grenade, c'est drôle. Bah, ils sont où, ces cons? Ah! Oh, il bug, lui. Non? Ah ah! Il danse la Macarena! Hé, Macarena! Ouah! Coucou! C'est bien, ils ont réagi à la lumière. Merde. Oh. Ouais, non, ils sont trop forts. Je trouve que je m'en suis bien sorti. Plus maintenant. Oh, vache, il y en a des trucs à péter. Oh. Bon, on va bien s'amuser. Oh. Merci. Je veux bien. Oh la vache, j'avais quasiment plus de... Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Lumière! Mais non, mais va mourir. La lumière que je voulais pour la grenade... Oh, qu'est-ce que je me plante de touche. Voilà. Ah bah tiens, j'ai même pas vu la grenade qui était là. Voilà. Oh là là. Mais je joue mal, je joue mal. Il y en a de ces trucs à récupérer à droite à gauche. Donc la lumière, elle est là. Bing 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 bing. Oh, j'ai plus besoin de rester à genoux. Enfin, accroupi. Accroupillon. Didadididadidadon. Oui, alors attends, je vais faire le tour parce que lui, il devait avoir du matos. Le commandant de mes deux, là. Mm.
Non, c'est une poutre porteuse, là, c'est... Ah, je passerai par un autre endroit, Krotoum. Sympa. Ah, je suis trop loin. Il est tombé comme un sac. Là, je suis un peu déçu par l'intelligence artificielle. Là, elle est un peu... Bon, elle se fait guaquer par le mur, mais bon. C'est bien, au moins, il change de position. Oh, il y a un cadeau là qui m'attend. Oh, il y a des cadeaux qui m'attendent. Tout doucement, nani 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 nanou nanan. Dans mes dents, dali di doudan. Oui, non, j'ai. Alors, j'ai quoi en une? Pas le fusil au pépon, je suis au taquet alors. Si c'est pas la classe. Comment je passe le truc, moi? Ah oui, je suis obligé de descendre. Mais à mon avis, ce sera pour mieux remonter. Ah, accès interdit, non habitable. Le 13. Porte chance, le 13, normalement. Sûr? Sûr. La serrure n'a pas bougé. Bap. Bap, bap, bap. Oh là 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 là. Cette obscurité. Bap, 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 bap. Tigidic. Tigidic, swing, swing. Oh là là. J'aime bien comment le ça s'est éteint au bon moment. Le moment flip. Ah, c'est devenu un taudis pour sans domicile fixe. C'est triste, ça. Ouais, la suite est par là, visiblement. Comment c'est affirmatif? Oh merde. Effectivement, ils sont déjà présents dans l'autre immeuble. Alors, n'allez plus haut, n'allez plus haut. Et allez chercher un bonus. Je me fais guaquer par un non-escalier, c'est scandaleux. Il n'y a pas moyen de... Oh vache. C'est glauque, hein. Enfin, c'est lugubre. Hein. C'est... Ouais, j'ai fait comme un peu aller en haut. Il y a un bonus qui m'attend en haut et je le veux. Réfléchissons. Réfléchissons, réfléchissons. Étudions la topologie des lieux. Poilonneux. Je peux pas manipuler la chaise, non? Non. Comment je peux faire? Pourtant, il n'y a pas 36 000 solutions.
foutu ascenseur qui est condamné. Oh, si seulement je pouvais grimper sur la rambarde, mais non. Non, non, non. Y'a pas un truc qui a dégagé. Oui, oh, vous m'avez entendu. Bande de trolls. Oui, je présume qu'il y a du monde dans le secteur. Ah, voilà. C'est marrant, c'est plus facile. Ah oui, mais du coup, j'ai jeté tous mes flingues. Attendez, attendez. Voilà, là, j'en ai deux. Là j'ai combien de balles? Ouais, j'en ai à peine plus. Bah, je reviendrai ici si je suis en manque de munitions. Aïe aïe aïe. Ouais. Et voilà. Et voilà, voilà, je pouvais rien faire de mieux. Oui, c'est pas possible. Je présume que c'est pas possible de... Ouais, non, on voit que c'est des portes fermées, de toute façon. Ça ne sert strictement à rien. Attends. Ah, comment que je passe? J'arrive pas à passer. Encore contourner le truc. Oh merde, putain, je l'avais pas vu. Oh, il m'a fait peur, lui. Grabuge en surface, là, ils ont largué un truc par voie aérienne. Oh merde! La 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 la. J'ai un petit gros souci, je ne sais plus comment le qualifier. Tiens, je vais me barrer en hauteur, moi. Je n'existe plus! Oublie-moi! Le mec qui a pas la frousse du tout. Comment je change de mine déjà? C'était ça, je crois. Des lasers, l'autre. Ah non, mais il me tabasse. Waouh. Oh. Oui,
mais c'est comme ça que je les dépose, ouais. Ok. Merde. Non. T'as rien vu. Même surprenant que le canapé n'ait pas giclé. Alors, pas où est-ce qu'il était arrivé, le Sadibo ? C'est pas des snipers là-haut ? Non, c'est des cheminées. Coucou, je suis là. Ah vache, ils sont nombreux. Ils sont partout dans l'immeuble. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Bah tu m'étonnes. Oh merde, ils sont deux. Wouah! Il me l'a logé entre les deux yeux. Trop bien. Trop trop bien. Nice, je les ai eus. Enfin, j'en ai eu un. Oh vache, ils sont plusieurs là.
Ah, je l'ai eu. Je crois pouvoir me vanter de l'avoir eu. Waouh. Ouais, la vie, ça va. Joli. Oh, la classe. Ouais, ça va, là, tant que je peux me planquer, tu vois, derrière les murs. Ah oui, je suis condamné à faire un joli saut. J'ai dit un joli saut. Oh non, le jeu cure bug. Sniff. Fear, il est ouf. Pas de réponse. Alors, fin de tâche. Oui. Arrêtez le processus. D'ailleurs, le temps que ça se relance, je vais me rasseoir convenablement là parce que je suis mal installé. Là, je me fais mal. Attendez, je vais même me relever pour me dégourdir un peu les jambes 30 secondes. Ah ! Ouais, c'est comme ça que je finis par avoir des crampes, moi. Aïe, 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 aïe. Ouais, je retends un peu la jambe. Je mets ça comme ça. Oh. Je fais des bêtises. Oui, charge-moi la partie en attendant. Attends, j'arrive même pas à voir. Je vais faire la souris parce que. Ah, il faudrait un bureau assis debout, ouais. Ouais, si, j'ai un confort correct, mais je reconnais que j'ai fait un peu le fouillis là. J'ai pas remis en état depuis la semaine et Alors. D'ailleurs oui, ouais, tant pis, je le ferai plus tard, mais. C'est vrai que j'ai armé un lave-vaisselle. Mais je l'activerai plus tard, va. Alors, on y retourne, excusez-moi. Merci. Alors. Ah bah, va y avoir un comité d'accueil. Oh, j'ai vu les pales d'un hélicoptère. M'étonnerait que ce soit une ventilation. Oh, puis il y a des mecs sur le toit là, pour le coup. Tu m'étonnes. J'ai pas eu le temps de fouiller la pièce. Il y avait peut-être des trucs intéressants et. Ah, ça va, je peux remonter. Oui, ah bah oui. Ah bah non. Ah, merde, j'étais dans la ligne de mire de qui? Le gars, je l'ai même pas repéré. Oh, puis je loupe mon saut. Aïe aïe aïe. Ah mais oui, c'est lui qui m'a eu.
Bon. C'est presque dommage que dans le jeu, il n'y ait pas de paire de jumelles. Parce qu'il y a des moments, t'aimerais bien vérifier si tu les as bien... Oh la vache. Ce réalisme. Merde. Ah non, mais je perds trop de munitions là. Non, mais je perds trop de munitions. Oui, la trousse, elle reviendra. Je la prendrai après, t'inquiète pas, avant de quitter la zone, mais... Oui, voilà, si tu veux, je la prends là. Oh putain, il est pas mort. Ah. Espoir. Je crois que je l'ai eu. Merde, ils sont redoutables, ils sont redoutables. Ouf. Ah merde, je pensais pas être dans la ligne de mire de l'autre. Oui, il est bien le jeu, il est bien. Non, mais encore merci à toi de me l'avoir recommandé, il est très très bien. Ah, je crois qu'il est mort. Donc, hop. Je prends la trousse. Je sauvegarde et j'essaie de me faire le mec en face. Mais peut-être de manière plus directe. Ah, faut que zigzague. Faut que zigzague. Sinon, il va. Il va me cueillir comme une fleur. Oh la vache! La dextérité du gars! Ce serait presque plus drôle d'avoir un lance-roquette en fait. Loupé. Oh merde, il y en a un autre là-bas. Oh la vache. Non. Oh, on y retourne parce que toi aussi tu aimes ça. Zubida. Encore que les trucs pour me planquer, il faut que je sache en faire bon usage. Je t'accorde ce fait. Ah, j'ai une démangeaison au pif, je sais pas pourquoi. Piou, piou, piou. Je crois que je l'ai eu, le Mickey. Je crois que je l'ai eu.
Loupé. Ah, mais ah, ils sont deux. Ah, oh, c'est deux fois plus dur s'ils sont deux. Oui, alors là, je me suis désorienté. Les lâches, ils m'ont assassiné dans le dos. Oui, c'est là que j'étais. Coucou. Ah, l'angle est trop fermé pour eux. Putain, tu m'étonnes que t'as un contact. Nope. Coucou. Ça parle mal. Coucou. Oh merde, ils viennent de partout. Les squidus, les squidus. Quoi? Pardon? Non mais ils sont cinglés eux. Coucou. Ou vache. J'aime bien, j'ai le petit bonus de la vie qui remonte. Moi aussi j'en ai des grenades, mais ouais, deux, bof. Bofi, bof. Ah, je suis dans une mauvaise posture. Ouais, j'aimerais bien qu'il y en ait un qui se mette à découvert. Coucou. Oh. Non, oh, va mourir, va. Je me plante dans mes touches, c'est nul. Oh, j'ai loupé mon assaut. C'est pas beau. C'est pas beau. Ah ouais. Ah merde. Je pensais pas que dans cet angle j'étais exposé. Putain la vache. Hop, 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 hop. Alors là, le passage là, je finis par me dire que je suis condamné à trucider ceux-là. Parce qu'ils arrivent à m'allumer, eux. Oh. Il a failli m'avoir. Comment que la grenade a parcouru le muret? Oh. Excellent. Coucou. Je l'ai vu très près celle-là. Excellent. Oh non, mais non. Mais ça c'est dommage, le coup du bug. Ça gâche l'expérience de jeu. En dehors de ça, le programme est vraiment remarquable. Oui, je rigole bien.
Eh bien. Mais... Non, je pense qu'il va falloir que je fasse mon chemin en minant. Ou en balançant des grenades. En balançant des grenades. Coucou. Ouais, je vais devoir jouer de mon super pouvoir de ralenti là parce que. Vache. En face, c'est du monde dans l'immeuble. J'ai l'impression que j'ai nettoyé. On voit plus grand monde. Merde. Oh. Je suis en train de sauter, il me dégomme en plein vol, quoi. C'est dégueulasse. Oh, on est d'accord, là, j'ai plus de... Ah si, merde, putain, il y en a encore un. Oh la vache! Oh merde! Oh! Coriace le mec! Il digère le plomb, c'est pas possible! Je l'aurai un jour, je l'aurai. Passage technique, on va dire. Hein. Ah, ce n'est plus du canon automatique. Ah. Mais automatique jusqu'à quel point ? Je la connais pas l'arme là. Oh merde. Je vais y arriver, je vais pas désespérer. Un jour peut-être. Eh oui, il a bougé le salopard. Ah ouais, c'est un canon d'artillerie là. Coupé en deux. Violent. Alors, arme et prendre fusil d'assaut. Ouais, ce serait peut-être mieux pour moi, ouais. Ouais, ouais, vu les munitions, c'est pas mal. Je sens que le canon d'assaut va me plaire par rapport au lieutenant, là, en blindé, en bleu. Noir chez noir, il n'y a plus d'espoir. Burk. Burk, burk, burk. Oh, les bonnes vieilles antennes râteaux. Ah, ah. Ça n'existe plus. Ouh, je sens que je vais avoir un comité d'accueil. Le pompe risque d'être le plus drôle ici, en milieu fermé. Et là-bas... Merde, je suis en train de m'encastrer dans les objets, là. Ah, c'est de là qu'il m'avait saucé. Les alobards, ils étaient là. Ouais, c'est une succession d'appartes, en fait. Ouais.
Donc, comment le design de l'appart? Là, t'as la cuisine, pièce principale. Là, t'as une chambre. Là, t'as la salle de bain. Ouais, mais là, c'est... Ah, il y a deux portes d'entrée, en fait, dans l'appart. Oh, j'aimerais pas. Hein. Eux, ils ont l'air très cons. Avait été abattu par un appareil appartenant au groupe terroriste non identifié qui s'est emparé du quartier général d'Armakam vers 16h30. La cause du second crash n'a pas encore été identifiée. On ne sait pas encore s'il y a des survivants. Si, je prends leurs armes en passant dessus. Ça fait plaisir d'avoir la santé à fond. Ah, c'est l'étage inférieur pour la suite, ça. On resserre du dessert. La. Ouais, ils ont leur super arme là, ouais. Celle-là, elle est pas mal. Ouais, je change. C'est ça que tu voulais me dire, Twister. Twinsen, pardon. Twister. Bah, ce que j'apprécie dans le grand degré de liberté du jeu, c'est de pouvoir revenir sur ses pas et faire la récolte, en fait. Ça, c'est très bien. C'est jouissif à souhait. Je salue les jeux qui te permettent d'avoir un tel degré de liberté. Oh, moi, j'essaye tout. Bon bah quand faut y aller, faut y aller. Burp. Atterrissage sur matelas. C'est-il pas beau. C'est bien, je refais le plein de trousses de soins. Ça fait zizir. J'avais zizir, j'avais plaisir. Waouh, dur d'évoluer dans les décombres. Lumière. Et la boue. La petite fille. Localiser le complexe. Quoi? Ah ouais. Oh. Ah. Est-ce que c'est elle la personne que vous cherchez? Elle sent bon. Ah. C'est Jean-Pierre Descombes. Bah, on m'a confisqué ma lampe. Je peux plus éclairer. Remboursé. Quoi? Alors, il s'est passé un truc, mais j'ai rien vu. Elle est bonne celle-là. Il y a eu un truc avec le fantôme et puis j'ai dû malencontreusement détourner le regard au bon moment.
Non, c'est dommage de louper des scènes de flip, quoi. Je vais recharger, hein. C'est couillon que je loupe ça. Alors, il se passe un truc dans l'ascenseur. Allez, fais-moi flipper. C'est tout? Bah, je m'attends à un truc, moi. Je suis déçu. Ah, la flip, c'est l'ascenseur qui s'éteint. Oh, bah, d'accord. Je m'attendais à quelque chose de plus... Elle m'a dit tant de choses. Oh, la cochonne. Elle t'a dit des choses sales dans le creux de l'oreille, j'espère. Moi, je dis, comme ça, t'as pas perdu ta journée. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, la petite fille! Non, reviens-moi, la petite fille! Parle-moi! C'est comme avec les psys, faut que tu vides ton sac, crève l'abcès, dis-moi tout. Oui, ok, il m'a bouffé d'un point de vue physique. Ouais, bon, bref. Et ensuite... Oui, recoucou, Funfan. Je peux pas les éteindre complètement, c'est dommage. C'est dommage. Une chaudière là, c'était. C'était une chaudière. Bah merde alors. Ah, y a un truc que j'ai pas capté. Non, je continue, peinard, mon fire. Là, je suis dans l'ambiance, j'aime bien. Tibi-di-bi-di-bi-di-bidou. Je passe par là. Ah, c'est par la fenêtre qu'il faut aller. L'éclaireur du FIR a éliminé les troupes réplica pour sécuriser le site du crash de l'hélicoptère. Il est maintenant en route dans le complexe industriel abandonné de Rammelmeyer. On pense qu'Alice Wade est la prisonnière de Paxton Fettel. Son état de santé reste inconnu. Elle ne répond pas aux appels sur son communicateur. Mission, la priorité est de mettre à l'abri Alice et Arline Wade. Vivement qu'on voit un vrai FPS. Oui, mais il y en aura d'autres, t'inquiète pas. Oh là là. Nous avons toute la vie pour ça. C'est ça qui est beau. Le satellite m'indique des déplacements ennemis massifs. Ils sont partout. Surveillez vos arrières. Non, sérieux? Au niveau des immeubles, ils sont là? Parce que je viens de faire la descente par l'immeuble, mais... Oh, les graffitis. Graffitis. J'arrive même pas à lire. C'est beau, mais j'arrive pas à lire. C'est D-U-Z. Non, c'est D-U-Z. U. D-U-Z-N. Je sais pas.
C'est du... Comment il s'appelle, là, Didier, son vrai prénom. Joe Star. Dans ma jojo, me gêne. Dans ma bench. Ah. Oui. Rendez-le-moi. Comment ça, rendez-le-moi? Bah, je veux bien te rendre un truc, mais j'ai pas identifié ce que tu voulais que je te rende. Ah. La 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 la. Qu'est-ce qui se passe? Ah, te voilà. Coucou. La nana yout. On l'a retrouvé. Mmh. Oh merde, me fait déjà allumer. Quand tu arrives en ville, que tu arrives dans nos pères. Ils viennent ou pas? Non, visiblement ils viennent pas. Je vais changer de grenade. Oh, puis j'en ai pas beaucoup. Je n'en ai pas beaucoup. Ça, là, il me lance une grenade, je suis dans la mouise. Génial! Oh, j'ai adoré comment c'est parti comme un discoplane, le couvercle de la poubelle. Trop stylé. Oh non! Mais j'ai pas le droit de tirer à côté! Je suis en mode Matrix ralenti et je lui tire au-dessus de l'épaule. Oh! Alors là, j'ai honte. Oh, je pouvais pas le louper. Des déplacements ennemis massifs. Ils sont partout. Surveillez vos arrières. La petite fille! La petite fille! Alors c'est quoi qu'il faut que je lui rende? C'était pas Tox Metal qui en usait son cannibalisme au début dans l'intro du jeu. En fait, elle veut retrouver son fils, entre grosses guillemets. Coucou. C'est rigolo. Bonjour. Merde. Ah, oh, faut pas que j'aille au corps à corps. Bonjour, Edge. Aïe, aïe, aïe. Le satellite m'indique des déplacements ennemis massifs. Ils sont partout. Surveillez vos arrières. J'adore l'animation. C'est beau. Là, j'aime bien la narration. Ah, ma mère, on la voit même plus. Ah, voilà. Merde. À 17h, je pense, le mini-golf, Edge. Je pense que je joue encore 10 minutes à ça, je bascule... Oh merde, puis... Oh, le jeu qui crache. Et puis, je passe un peu à du Sonic 2. Et on fera le mini-golf à partir de...
de 17h. Donc t'auras le temps de prendre ton goûter juste avant peinard, tu vois. Et puis on finira sur les bibi vers 19h et quelques. Et je rendrai mon antenne à FunFan à 20h. Ouais, retiens 17h, AJ. Me fais encore un petit quart d'heure de Fear, après ce sera Sonic 2. Ouais. Pas évident du tout. Permettra de lancer mon coucou. Oui, bah le temps que je lance Sonic 2, tu lanceras tout doux ton coucou. Et j'espère juste que les cartes qu'a choisi Edge vont pas être trop lourdes pour toi, mais faudra que t'essayes quoi. Merde, c'est pas la bonne sauvegarde. Ah, j'ai pas regardé ce que j'ai fait, qui est con. Oh merde, tant pis. Bon. Elle m'a dit tant de choses. Oui. Oh, cette scène de cauchemar. Oh, on recommence la scène là. Je t'ai vu. Pas grave, je re-sauvegarderai après. Ah, là au moins j'ai gardé ma vie. Comme quoi il fallait que je résiste face à ces attaques psychiques. C'est pas plus mal que j'ai recommencé parce que là au moins j'ai la vie au taquet. Donc ça me va. On va passer les deux animations et je sauvegarde juste après. Le satellite m'indique des déplacements ennemis massifs. Ils sont partout. Surveillez vos arrières. On verra, Thunsen en fera l'expérience lui-même, AJ, si ça passe sur son ordi ou pas. Qui t'en fait rien à rien. Allez, le mouet. Ouais. Je t'ai vu. Allez, ils sont là. Tellement de sang que je vois plus où je tire. La violence absolue. Je crois que j'ai eu les deux. Non. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Oh. Oh là là. On fait trop liquider là, ça va pas mon histoire. Ça va pas mon histoire. Ouais, on verra, Edge. La 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 la. Il prend des bains de sang pour préserver sa jeunesse. Repoupon. Ah, quelle horreur. Mais c'est vrai que quand je souris, je reconnais que j'ai des canines. On dirait que j'ai des canines de vampire. Je sais pas si ça. Évidemment, je sais que j'ai un sourire. On dirait que je suis un vampire. J'ai les canines qui ressortent un peu plus pointues que la normale. Ça m'a toujours fait rigoler dans ma morphologie. Ah. Violence. Violence au canon. Ouais, au bas de sang, bah oui. Oui, c'était dingue de voir l'écran tout rouge. C'est un style artistique, mais waouh, quelle violence.
Hop là. Je crois que c'est bon. Je tombe. Non, c'est pas bon. Oh, 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 le squelette. Renversant, je crois. Hmm. Oh, le salopard, il m'a bien entamé. Oh, le boxon. Oh, la vache. Y a rien d'autre de planqué dans la rue? Non, non, tout est barricadé. Les poubelles, je pense pas qu'elles me donnent du matos. Je pense pas. Non, y a rien dans les poubelles. C'est un jeu de quilles, en fait, à ce niveau-là. Ah, ah, bande de crâneurs! Ouvrez-moi la porte! Bang, bang. Oula. Sauvegarde point de passage. Oh. Non, j'ai le nom de Maxi. Oh, ça faisait longtemps, dis donc. C'était pas 12? Ouh. Oh. Il n'y a personne pour m'accueillir. Ah si. Merde, dommage. C'est dommage qu'il y ait l'objet présent. J'aurais fait un carton magnifique. Ah, dommage du dommage. Ça peut être drôle. Celui-là peut être bien aussi. On va se faire plaisir. L'embarras du choix. Allez, tout de go. Non. Ah, les flammes. C'est pour ça que je suis mort. Les flammes, je suis dans le feu. Je peux pas me mettre là. J'en suis dégoûté, je me suis planté. Merdoum, crotoum, chotoum, bordeloum. Je peux pas me mettre là. Là, j'ai honte. C'est limite si j'ai pas posé les arbres. Et les bras en croix, je me suis offert à eux. Allez-y, faites-vous plaisir. Ah, merdoum. Il est où l'autre? La vache, la violence de l'arme! Comment je l'ai propulsé contre le mur? Non, oh, le jeu est sympa! Oh là là! J'ai moult. Ça va où ça? Ah! Ça va être rigolo, je crois. Alors, attends. Non, je me trompe de touche. Merdoum. C'est ça que je voulais faire. Ouais, comme il y en a deux, autant que je me remette au taquet. Tant qu'à faire.
Tant qu'à faire. Hop là, une petite sauvegarde. Et la mère Noël. Bah, ah, je me dis merde, c'est sous le repos. Oh. Allô, oh, Titi en mortier. Oh. Donc, j'aimerais que la poussière se barre. Bah, tu m'étonnes que tu me vois pas. C'est bien pour eux, le machin là. Mais oh! Ils sont plus coriaces que je ne pensais. Je suis déçu de l'arme pour le coup là. Vache. Ouais, non, voilà pour viser. L'autre qui m'allume dans l'angle avec ses roquettes. J'ai la poussière qui me pose problème pour viser. Oh non, mais il est dans une posture, le mec. Oh la vache. Oh la poussière, mais merde! Tant qu'il y a de la poussière, je peux pas mener l'assaut. Mais non, mais non, mais je suis deg! Oh là 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 là! Lui au pépon, je pense que je le fais mieux. Hop là, je retourne dans mon toit. Je peux peut-être faire le con avec la voix camion en fait. Les flammes sont plus là. Ah mais il y a les lattes qui... Oh vache. Pas mal. Coucou. Bah alors, il tire. Alors, je lui fais bobo avec ça ou pas? Aïe. Merde. Je l'ai eu. Alors, le blindage, c'est sympa. Là, la vie, je dirais pas non. Bon, j'en ai sur moi, mais... ça m'a coûté cher. Ça m'a coûté cher. Ah oui, le blindage, là, je suis au taquet. Ah oui, j'en ai même trop. J'en ai même pour plus tard.
Vache. Ah, il m'allumait au lance-roquette. Bah, c'est sympa de voir ça là. Ah. Merde. Heureusement que j'ai pas armé autre chose. Allez. Oh, c'est bon ça. Bah, je vais sauvegarder là. Je vais sauvegarder dans le véhicule et puis on va passer à Sonic. Sympa! Je trouve ça très très sympa. T'es bien? Bon jeu, vraiment. C'est cool. Allez, une belle sauvegarde dans les règles de l'art. Point d'entrée. C'est sympa comme nom. Allez, c'est bon, on quitte. Alors, Sonic, ça va être une autre affaire. D'ailleurs, il faudra que je reprenne ma manette. Minuto Papillone. Oui, quitter, oui. Oh là là. Merci. Alors, vous avez gagné le droit de voir ma tronche.